La chatte métamorphosée en femme de Jean de La Fontaine. Un homme chérissait éperdument sa chatte. Il la trouvait mignonne et belle et délicate, qui miaulait d'un ton fort doux. Il était plus fou que les fous. Cet homme donc, par prière, par larmes, par sortilèges et par charme, fait tant qu'il obtient du destin que sa chatte, en un bon matin, devient femme. Et le matin même, Maître Soult en fait sa moitié. Le voilà fou d'amour extrême, de fou qu'il était d'amitié. Jamais la dame la plus belle ne charma tant son favori. Que fait cette épouse nouvelle, son hypocondre de mari? Il n'y trouve plus rien de chatte. Lorsque quelques souris qui rongeaient de la natte troublèrent le repos des nouveaux mariés, aussitôt la femme est sur pied. Elle manqua son aventure. Souris de revenir, femme d'être en posture. Pour cette fois, elle accourut à point. Car ayant changé de figure, les souris ne la craignaient point. Ce lui fut toujours une amorce, tant le naturel a de force. Il se moque de tout, certain âge accompli. Le vase est imbibé, l'étoffe a pris son pli. En vain de son train ordinaire, on le veut désaccoutumer. Quelque chose qu'on puisse faire, on ne saurait le réformer. Coup de fourche ni d'étrière ne lui font changer de manière. Et fussiez vous en bâtonnez, jamais vous n'en serez les maîtres. Qu'on lui ferme la porte au nez, il reviendra par les fenêtres.